Salut, nous voilà sur Assassin's Creed Odyssey. Donc là, ça fait à peu près 2-3 heures que je suis sur le jeu. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, surtout pour... parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. À la base, j'avais prévu d'en faire beaucoup sur Elden Ring, mais j'ai eu un petit souci parce qu'en fait, je l'ai sur Xbox Série X, et le problème c'est que je ne trouve pas le moyen de faire de vidéos sans ordi, parce que je n'ai pas d'ordi, et voilà, mes vidéos c'est sans montage, c'est vraiment du brut. Et voilà, sur Xbox, il n'y a pas moyen d'enregistrer des vidéos on va dire, d'une vingtaine, trentaine de minutes, et de les envoyer directement sur YouTube, comme je fais actuellement avec la Play. Donc du coup, je suis bien embêté puisque j'ai fait Elden Ring et j'ai pas pu faire de vidéo comme ce que j'avais prévu. Donc voilà, je profite pour vous faire un petit coucou. Aussi pour vous faire profiter du paysage. Donc là, je suis vraiment dans la toute première zone, la toute première île. Donc même si le jeu date un petit peu, on voit que quand même le niveau des décors, c'est pas dégueu. Niveau de la visibilité, on voit vraiment loin. Donc le paysage est sympa. Merci de pas regarder ma petite culotte quand même. Bref, non, ouais, vraiment sympa. Après, on va pas se mentir, hein, c'est loin d'être. Enfin, c'est pas du tout réaliste. On va faire un exemple, hein. Vous voyez que je suis quand même à une bonne vingtaine de mètres, je dirais. Peut-être 10. 10-20 mètres. Je saute, tout va bien, je saute, oui, je saute dans un buisson. Et j'ai rien du tout. Bon, ça s'inscrit, là, on est habitué, mais voilà, c'est juste un petit. Cette petite là, la petite blagounette. On va appeler aussi le cheval, ça va être drôle. Donc en fait, le cheval, c'est entre un tank et. Enfin, ça passe partout, hein, vous allez voir. Hein. Hop, il shoot les machins, il monte les trucs, il saute, il se relève, tout va bien. Bah après, en même temps, voilà, j'ai envie de vous dire heureusement, parce que c'est vraiment montagneux quand même, pour l'instant, cette zone. Donc c'est vrai que ça aide, mais voilà, il y a des trucs, je passe au-dessus. Enfin voilà. C'est un petit peu dommage parce qu'en fait, niveau. Enfin, je suis pas calé en histoire, donc niveau histoire historique, je peux pas savoir si ça correspond vraiment à ce qui se passe et tout. Mais voilà, il y a quand même un concept historique dans tous les Assassin's Creed, aussi bien Origins qui se passe en Égypte, le 3 qui se passe en Amérique, si je me trompe pas, puisque je suis pas non plus spécialiste de la licence. Le dernier Valhalla qui se passe avec les Vikings et tout. Voilà, il y a toujours un concept historique. Mais voilà, je pense que ça aurait été mieux si ça aurait été poussé vraiment plus à l'exploration, au réalisme, sans forcément pousser le vice non plus à que ça devienne injouable ou ce genre de truc, puisqu'il y a des jeux qui se veulent réalistes et que, au final, les combats sont réalistes, certes, mais on n'y prend pas forcément du plaisir. Ça aurait pu être sympa, je pense, de travailler un peu plus là-dessus. Surtout que Assassin's Creed, autant le. Moi j'ai commencé par le 3, hein, je vais pas vous mentir, j'ai commencé par le 3. Il y avait quand même vraiment le côté assassin que j'avais bien aimé. Là je vais pas vous mentir actuellement. Enfin, pour moi c'est plus une guerrière qu'un assassin, puisque j'y vais, je tape dans le tas, enfin ça passe. Alors je peux me mettre en fufu toujours, hein, dans les hauteurs, je peux assassiner, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, j'ai pas la lame d'assassin. Pour l'instant, c'est pas une assassin, puisqu'elle fait pas partie de la confrérie pour moi. Donc je sais pas si après, dans l'histoire, elle le devient, ou si à l'inverse, dans l'histoire, on sait qu'elle l'est déjà. Je sais pas, puisque ça fait que 3 heures que j'y suis. Mais voilà, actuellement, c'est quand même plus un RPG, on va dire, monde ouvert.
action-aventure qu'un jeu d'infiltration-assassinat. Ça, c'est sûr. Assassin's Creed, pour moi, le terme assassin, il est vraiment surjoué. Puisque là-dedans, on n'est pas du tout un assassin pour moi. Ils auraient. Moi, quitte à aller dans cette optique, puisque moi personnellement ça me gêne pas du tout, puisque je suis pas vraiment fan des jeux d'infiltration. Je préfère les jouer comme on a envie, aussi bien avec la magie, l'arc, les épées, la dague, enfin, ce que vous voulez. Vraiment, en gros, avoir le choix de notre style de jeu. Mais ce qui me branche vraiment, c'est les mondes ouverts. Et là, ils font quand même des mondes ouverts qui sont, on va pas se mentir, ils sont pas dégueux. Bon, faut pas regarder les détails, hein, parce que là, par exemple, le sabot qui touche pas le sol, enfin, ce genre de truc. Bon, voilà. Mais sinon, voilà, visuellement, c'est joli. C'est pas vide, puisqu'il y a quand même des vignes, des maisons, des villageois. Donc il y a vraiment du potentiel pour faire un vrai bon RPG monde ouvert, éventuellement avec du craft, éventuellement avec un petit peu de survie, faire sa bouffe, se soigner quand on est empoisonné, des antidotes, faire du venin pour les armes, les flèches, enfin voilà, créer éventuellement même crafter ses armes, ses flèches et tout. Alors je pense qu'il y aura du craft, hein, puisque je récolte beaucoup de ressources, donc je pense qu'il y en aura plus tard. Mais voilà, je pense que, je sais pas, c'est un peu comme s'ils avaient le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. Vous voyez, le cheval, il touche pas le sol, en fait. C'est un cheval volant. C'est un effet... Non, il touche pas le sol. Pour moi, il touche pas le sol. Donc, ouais, je sais pas. Pareil, voilà, pour les quêtes, c'est bien qu'ils mettent beaucoup de quêtes. Et moi, au final, voilà, c'est ouvert, mais en fait, il n'y a pas le vrai côté exploration, on va dire, puisqu'en fait, c'est tout indiqué, on a juste à voilà, je sais que je dois aller là, bah, je mets mon curseur ici, ça m'indique le truc, et même si je le mets pas, sur ma boussole, si je le cherche, il va être indiqué. Donc c'est... Je sais pas. Peut-être moins d'effet visuellement. Et éventuellement, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on sélectionne une seule quête, puisque faut pas que ça soit non plus n'importe quoi. Et là, éventuellement, ça nous indique sur la boussole, mais pas tout, quoi. Moi, je trouve ça un peu dommage. Surtout pour un monde ouvert qui peut être vraiment intéressant. Pareil, les PNJ... Bon, on peut rien faire avec, on peut les tuer. D'accord, mon cheval qui fait le con, c'est pas grave. Donc normalement on peut les tuer. Mais voilà, on peut pas faire du vol à tir, à première vue on peut pas les assassiner. Non, on peut pas l'assassiner. Donc ouais, je sais pas, ça... Après voilà, le jeu il date un peu. J'avoue que j'ai envie de me faire le Valhalla, justement pour voir s'ils se sont améliorés dans tel ou tel sens. Même graphiquement, je sais qu'il va être bien plus beau. Mais voilà, trop de quêtes en fait où on doit aller chercher le PNJ pour lancer la quête, aller là où il nous dit revenir. Ça aurait été plus sympa, on découvre, je sais pas si le PNJ à qui je viens de parler, sa quête c'était d'aller chercher un collier dans l'eau. Bon, forcément, il faut savoir qu'il est dans l'eau. Mais admettons, je trouve les ruines du palais dans l'eau, je décide d'aller voir. Est-ce que je peux récupérer le collier avant d'avoir la quête? Ça le truc. J'avoue que je sais pas, puisque du coup, ça fait que 3 heures que je joue. Mais j'en doute, honnêtement j'en doute. Si je me trompe, n'hésitez pas à mettre un commentaire d'ailleurs, comme ça je le saurai. Puisque je peux me tromper, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est Assassin's Creed, je vais pas non plus... Les fans de la licence, ils vont me tuer s'ils m'écoutent, clairement. En fait, ils se tournent de plus en plus vers la mythologie.
Donc vers, on va dire, un peu le surnaturel, j'ai l'impression. Donc j'avoue que, en plus, ils mettent des... Enfin voilà, je sais que dans Valhalla, à première vue, il y a des artefacts quand même, des dieux. Dans celui-là, je sais pas trop. Je sais que il y a des objets. Enfin, j'ai pas trop suivi l'histoire puisque j'ai joué qu'au 3. Mais déjà dans le 3, il y avait un objet quand même vraiment qui parlait des anciens qui avaient à première vue la pomme d'or, enfin ce genre de trucs, qui avaient vraiment des gros gros pouvoirs. Donc pourquoi pas mettre enfin voilà, soit des armes, justement, des vrais artefacts des dieux qui ont une sorte de compétence magique, donc un sort ou n'importe. Par exemple, le marteau de Thor qui lance un éclair. Ou même, ouais, voilà, ce genre de petit truc. Je vais pas vous dire de mettre la magie puisque ça irait pas avec le contexte, je pense, du jeu. Mais voilà, des armes qui ont vraiment des compétences spéciales à elles-mêmes et enfin en rapport avec le dieu qu'elles représentent, quoi. Après, peut-être que c'est le cas, hein. Comme je vous ai dit, je suis à que 3 heures de jeu, donc j'ai pas d'artefact dans le jeu là. Valhalla, j'y ai pas joué non plus. Donc peut-être que c'est le cas, mais si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, ben, ça serait dommage. Pareil, les niveaux en fait entre les armes, vous voyez que j'ai une arme là, elle est... Alors, ordinaire niveau 6, elle a 75 en DPS. Si je prends une arme niveau 5, donc un niveau en épique. Elle a moins de DPS quand même, je trouve. Je trouve que vraiment c'est un jeu qui est basé sur le niveau en fait. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Enfin quand je dis niveau, c'est vraiment le niveau de l'équipement du coup. Et je pense aussi le niveau de notre perso, puisque il y a un moment j'étais niveau 2 ou 3, je me suis attaqué à un loup niveau 5 et m'a déchiré. Il m'a foutu deux coups de croc, c'était fini quoi. Donc pareil, à première vue, les rares, je peux pas les démonter. Que les ordinaires à première vue. J'ai pas trouvé de stuff vert encore, il y en a peut-être pas. Là, j'ai une armure que je peux pas mettre encore. Pas très belle celle-là. Bon, on va mettre celle-là. Hop, on s'en fiche. C'est juste histoire de chipoter, on va dire. Enfin voilà, c'était histoire de vraiment de vous parler, on va dire, un petit peu du jeu. Je pense que voilà, le jeu il est sorti, ça fait quelques années. Je pense que la plupart savent très bien de quoi ça s'agit, de quoi il s'agit, donc je vais rien vous apprendre, c'était juste mon petit point de vue, surtout pour vous faire un petit coucou, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Pareil, pour l'instant, j'ai pas trop vu trop de choses à tuer en fait, à part faire les missions à chaque fois, enfin faire les missions, il y a 2-3 pélos à tuer. Ça manque un peu, à part les loups, des fois on les croise, ils nous attaquent, mais... Mais sinon, ouais, ça manque un peu de... Après, c'est que la première île, donc on verra plus tard. Hein. Je sais pas où je vais, là, en fait. Je pense que je vais finir. Vous voyez que j'ai quand même bien fini la zone, là. Il me manque que ici à faire, là. Et après, je m'attaque à l'autre zone, là. Itak. Donc je pense que j'irai après. Je pense que je vais finir toute la zone ici. Alors les boucles, vous allez en voir partout. Hein. Alors les boucles, ouais, je pense que c'est des sortes de boucles. Alors dès qu'on approche d'une ville, en fait, le cheval ralentit tout seul. C'est pareil, j'ai pas l'impression qu'il y a un bouton de saut. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Je sais pas s'il y a des commandes.
petite sauvegarde. Ah, non, il n'y a pas l'air d'avoir des commandes. J'aime bien les jeux où il y a des... où on a accès aux commandes. Ah bah si. Commandes. Comme ça, on, même si ça fait, je sais pas, dans 2 ans, on revient, on a juste à regarder un peu les commandes, c'est plus sympa. C'est plus facile. Champ du marin, donc ça je sais pas encore ce que c'est. Ordre aléatoire des champs de marin. Déplacement, mode photo. Esquive. Lance-flamme, lance-javelot, tir de flèche en visée. J'ai pas tout ça donc. Non, y a pas le bouton de saut donc c'est un peu bête je trouve. Pour un jeu d'exploration au monde ouvert. Surtout qu'on fait pas mal de grimpettes entre les rochers, les bâtiments et tout donc ouais, je sais pas. Ça manque un peu je trouve. Allez. Je voulais aller au sud. Donc comme je vous l'ai dit, ouais, on croise pas. J'aurais bien aimé qu'il ait sorte de patrouille ou je sais pas. Alors pas qu'on soit submergé non plus, mais voilà, ouais, des patrouilles de 2-3. Parce que c'est vrai que là on parcourt la zone, on traverse l'île, à part les boucs, il n'y a pas grand chose à tuer. J'espère que ça sera pas pareil dans les autres îles. Après je vais pas m'amuser à tuer les villageois. Je sais pas si on peut leur rentrer dedans. J'ai pas l'impression. Avance. Alors moi je teste des trucs hein. Quand je joue moi je teste des trucs. Je suis pas un sadique hein, non. C'est juste que ouais je teste des trucs. On peut entrer dans les boucs à première vue mais pas dans les villageois. Bon j'avoue que le cheval pour traverser l'île voyager c'est bien pratique. Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis. Ah ouais, c'est un peu. C'est pas trop là que je voulais aller. C'est plus par là que je veux aller. Allez. Je me suis un peu trompé d'embranchement. Enfin bref, voilà, c'était vraiment histoire de vous dire que je suis toujours là. Si vous voulez faire des. Que je fasse des vidéos sur un des jeux que j'ai déjà abordé. N'hésitez pas, parce que le problème c'est que bah, tant que je... enfin, tous les prochains jeux je risque de les prendre sur Xbox, donc pour l'instant je peux pas faire de vidéo. Par exemple j'attends Harry Potter Legacy, parce que j'adore, bah, quand je joue, je pense que ceux qui commencent à me connaître ils savent que j'adore la magie, donc forcément, monde ouvert Harry Potter, je dis oui. Bref, du coup je vais pas pouvoir faire non plus de vidéo dessus, donc... À part si quelqu'un sait comment faire des vidéos sur Xbox Series X directement en les envoyant sur YouTube sans passer par un PC ou quoi que ce soit, s'il peut mettre un commentaire, je lui dirai un grand merci parce que j'avoue que ça m'embête. Parce que j'ai envie de partager beaucoup de choses avec vous, surtout sur Elden Ring, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Aussi bien vous dire des astuces, des conseils, des builds. Ouais, je voulais vraiment vous partager tout ça et du coup je me retrouve un peu coincé. Ça m'embête. Donc voilà, je suis preneur si vous savez comment faire, ça m'intéresse. Sur ce, je vous dis à bientôt avec mon magnifique cheval. Non, je rayonne. Il est pas très beau. À bientôt.